Ceci est une équation exponentielle parce que l'inconnu x apparaît sous forme d'exposant. La base 1, c'est le nombre d'Euler dont la valeur c'est à peu près 2,7. Dans les premiers et troisièmes termes, nous voyons qu'on peut mettre E exposant x en évidence, et dans les deuxièmes et quatrièmes termes, on peut mettre le facteur E en évidence, et ainsi nous avons cette différence-là. Et nous constatons que, dans cette différence, on peut mettre le E exposant x moins 1 en évidence, et il nous reste donc ce produit nul. Ce produit ne peut être égal à 0 que si le premier facteur est nul ou bien le deuxième facteur est nul. Le premier facteur est nul lorsque E exposant x est égal à E, et le deuxième facteur est nul lorsque E exposant x est égal à 1. E, c'est la même chose que E exposant 1, donc cette équation mène vers x égale 1. Le 1, c'est la même chose que E exposant 0, donc cette deuxième équation mène vers x égale 0, comme ceci. Donc, cette équation de départ a exactement deux solutions, 0 et 1, et l'exercice est déjà terminé.